Alors, lorsque de nouveaux produits arrivent dans nos affaires, eh bien, le rôle mémorangement est vraiment là pour nous diriger dans notre rangement. Alors, imaginez la situation par rapport à notre rangement actuel. Pour ranger les nouveautés, il faudrait tout simplement que l'on regarde boîte après boîte ou mallette après mallette pour savoir si l'on avait de la place à l'intérieur. On a donc de nouveaux produits, donc des clears, des clings, des pochoirs et des dyes. Là, dans cette situation qui pouvait avant Mocha être source de tension, eh bien maintenant, on n'a plus vraiment d'angoisse à les rentrer de suite dans nos rangements et en plus, on va pouvoir les tester, les tamponner, les découper avant de les ranger. C'est souvent ce que l'on veut faire quand ils arrivent sur notre plan de travail. On va commencer avec les clears, donc on va prendre notre mémo rangement et on va regarder où est-ce que l'on a de la place. Alors, en fonction de la taille de nos tampons, on va peut-être plutôt se diriger vers les 21 cm, ou les 16, ou les 13, ou les 26. On repère les boîtes où l'on a mentionné un F dans la case. Ce sont des clears, donc ils vont dans les fines. Et on va regarder dans les premières boîtes non cochées. Là, à l'écran, on a décidé de les ranger dans les grandes, les 26 cm. On va donc d'abord voir dans la 2 ou la 4 s'il y a assez de place. Alors, ça tombe bien, la 4 est libre. C'est parti, on va faire nos fiches et ranger nos tampons à l'intérieur. On attaque maintenant avec les clings. Alors là, les tampons Edge se découpent au cutter. Vous pouvez les laisser en l'état, mais c'est beaucoup plus simple de les utiliser lorsqu'ils sont découpés. On va donc prendre une petite plaque, un cutter et c'est parti pour tous les découper. Pour les pochoirs, eh ben ça tombe bien, oui. Aussi pouvoir les tester avant de les ranger, ça nous donne une idée du rendu et puis pendant ce temps-là, pendant qu'on fait nos fiches, nos tamponnages, on peut réfléchir aussi à nos futures réalisations. Thank you.
Alors pour les dies, on ne va pas vous réexpliquer la procédure. Il existe une vidéo sur le sujet sur notre chaîne YouTube pour savoir comment les rendre autocollants à la sortie de votre machine de découpe. Alors avant de prendre par contre une nouvelle feuille transparente, on va voir s'il ne reste pas un petit peu de place sur une fiche existante dans notre classement. Là, c'est le cas. Pour trouver le rangement adéquat, on reprend tout simplement notre mémorangement et on recherche les boîtes ayant un D pour savoir qu'elles contiennent les feuilles magnétiques à l'intérieur et bien sûr celles qui ne sont pas cochées où il reste de la place. Une fois que toutes nos nouvelles fiches sont faites, que notre matériel est rangé, on peut tout classer dans notre ou nos organiseurs et c'est terminé. Alors là, on a parlé du matériel qui rentre dans nos affaires, mais il est aussi très important de parler du matériel que l'on utilise peu, voire pas du tout, et qui peut sortir de nos affaires pour ne pas prendre de place inutile. C'est ce que l'on va voir dans le prochain épisode.